Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers avec les Sims du Cygne. On retrouve notre fine équipe à White Bleak dans un meilleur état que l'épisode précédent. Alors, nos nouveaux n'ont pas encore gagné leur nom, du coup je ne les ai pas renommés, on accueille donc personne cet épisode. Par contre, on a des trucs à vendre qui nous encombrent un peu. Donc je pense qu'on va retourner du coup, on va refaire comme le début de l'épisode précédent et tenter d'atteindre Kraken Vador. Peut-être avant la nuit si c'est possible cette fois. Oui, je veux voir les traces, moi, je sais pas pourquoi c'est désactivé. Oh, on a 5 brigands ici qui poursuivent des paysans. C'est mal. C'est mal, brigand. Très très mal. Ça va se payer. Tiens, ils sont censés être 5, il y en a 4 là. Ils peuvent planquer derrière l'arme, non? Non, oui, okay. Il est barré, je ne sais où. On va avancer ici, hop, voilà, je pense qu'on peut se permettre d'être un peu agressif hein, face à des péons comme ça. Encore qu'il y a lui avec son gros marteau, faut faire attention. Hein. Ok, on a réussi à mettre un coup, je commençais à douter. Ici on avance là, et on peut taper, on rate. Alors, ici on va avancer là. Parce qu'on a le truc maintenant qui permet de passer par-dessus les boucliers avec le coup à la tête, ça rate. J'aimerais bien le repousser lui, voilà. Pour pouvoir mettre des gens un peu plus efficaces devant et que lui soit pas collé. Une petite riposte ici, là on avance. On met un coup, parfait. Il a l'air d'avoir une belle armure lui. Peut-être y aller à coup de... À coup de... Comment ça s'appelle? De dague sur sa tronche. Lui il est costaud par contre, hein, il résiste bien. Ici on avance et on va tenter un coup à la tête là. C'est raté. On va faire le tour. Voilà, leur morale commence à chambranler un peu. Ici on va tenter un split. Il y a des moyens que j'ai défoncé son armure, mais c'est pas grave. On va se replier d'une case, voilà, pour qu'il puisse pas venir directement nous taper dessus avec son gros marteau. Osborne qui résiste. Alors, le seul qui a pas foutu son bouclier, c'est lui, raté. On avance d'une case, on tente un tir, même si ça va être raté très probablement, voilà. Alors, on retente, passer par-dessus le bouclier, on rate, et on rate, ok, très bien. Parfait, parfait. Alors, je pourrais essayer de casser son bouclier, mais ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu, honnêtement. On va essayer plutôt de taper de manière classique. Alors lui par contre son bouclier on s'en tamponne. Ouais, là on peut passer par dessus le bouclier. À taper sur lui plutôt. Toi, débarrasse-nous de ce con, nickel, comme ça le moral va commencer à faire la tronche. Ici, on va aller par là, comme ça on pourra avancer d'une case pour taper l'un ou l'autre indépendamment. Ouh, c'est propre ça. Ça c'est moins propre ça. Parfait, il s'enfuit. On va pouvoir le finir. Il s'enfuit aussi. Est-ce que j'ai assez de... Non, je
pas de point d'action pour prendre ça. Faut que je prenne quelques petits trucs utilitaires quand même à un moment. Genre pour pouvoir se déplacer pour moins cher, pour pouvoir changer d'arme plus efficacement, ce genre de trucs. Là c'est juste histoire de voir si je peux pas récupérer son casque, hein. J'ai pas... Je m'en tamponne de son armure, très très clairement. Non, c'est pas ça. Ah bah t'as juste un petit couteau, tiens, toi. Voilà, toi tu vas pouvoir avancer, prendre la dague, récupérer ça, un peu non? Ah merde, j'ai pas assez de points d'action, dommage. Bon, voilà. C'est pas grave. On va quand même chercher à le finir, voilà, quand même moyen qu'on le récupère. Oui, parfait. On a Mitotin qui prend un niveau et on a Ingar qui prend son premier niveau, parfait. Derrière, on a récupéré quelques cleavers, hein, c'est pas si mal, un petit bouclier pourri, surtout deux bons boucliers. Une cote de maille à 110, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop là, alors ici, hein, pas mal. On va monter ta vie et ta résolution parce que c'est un peu de la merde pour l'instant. On prend ça, alors Mitotin va pouvoir nous prendre un gros bouclier, tiens, avec des petits points rouges. Oula, je t'ai fait vraiment déjà pourri par contre. L'initiative c'est pas ouf, on va monter ta fatigue, on va monter ta vie et on va monter un peu ta défense quand même. Et du coup tu voulais prendre H ou EP. Ah, on pourrait te spécialiser en cleaver sinon. Ouais, on va carrément te donner une arme pour décapiter, je pense que ça te plaira. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ça? On a le Scramasax 30-45 et on avait gardé une Folks 25-35. Ah bah on va te donner ça. Très très bien tout ça. Donc au niveau des armures, on a du 110 partout. 110, 110, 110, ok, tout le monde est au moins en 110, voire mieux. Yilek qui prend un niveau également, parfait. De la défense, de la fatigue, et on va te monter à 52 résolution. Ah mais je t'avais spécialisé en lance, tiens, faut que je te redonne une lance, carrément. Erreur de ma part. Alors à chaque fois qu'on touche le corps, on gagne plus 15% de chance de toucher la tête. Sinon on a quoi? On va te prendre Battle Forged, puisque tu vas reprendre une lance immédiatement et retourner sur le côté. Hop, et du coup toi tu vas prendre ça. Voilà, parfait. Alors du coup, notre ami Meunier. Ouais, c'est pas ouf tout ça, on va te monter ta vie du coup. Et puis bah je te donne bien sûr. Ok, on a une belle ligne, ça fait plaisir. On a sauvé quelques paysans. Ah, de nouveau des brigands, dis donc. Bah vu les dégâts qu'on a pris, je pense qu'on peut se les faire aussi, hein. On va mettre une petite sauvegarde des familles. Cette zone est vraiment beaucoup de brigands, il doit y avoir un bastion quelque part. Ah, en plus il y a une compagnie qui les poursuit. On va se les faire tout seul, hein. On a largement le niveau, ça nous fera plus d'XP. Ok, ça charge, très très bien. On va attendre que les tireurs aient fait leur tir avant d'avancer.
Au niveau arme. Ouais, au niveau, j'essaie de voir son niveau équipement, mais. Tirer sur celui qui a pas de bouclier, hein. Toi, tu vas attendre qu'éventuellement on avance. Et je pense qu'on va carrément avancer. Alors, on peut essayer de mettre un coup sur sa tête à lui. Voilà, parfait. Là, on tape dans le bouclier. Alors si j'avance là, lui, il peut toucher jusqu'ici, donc non, on sera bien. Donc, on va le faire, on va avancer là. Tester un petit peu le cleaver tout neuf. On va avancer là avec ça parce qu'on va pouvoir taper sur son bouclier avec nos haches, pareil. Voilà, parfait. Toi tu avances, tu mets un carreau dans sa traite. Alors toi du coup tu peux pas faire grand chose. Du coup j'ai bien envie de dire que tu vas aller par là. Toi tu vas rusher dans cette direction. De faire en sorte que le chien, voilà, parfait, ait envie d'aller vers lui. Il va commencer à se prendre des coups. Ah, on dirait que ça y est, ils sont déjà en panique. Oula, il marque, il prend un coup sur le crâne là. Pff, purée. C'est comme ça que vous avez envie de jouer. Très très bien, je vois. Ah merde, on va perdre notre chien. Je pensais pas qu'il jouerait aussi vite ce con. C'est pas grave, ici on passe par-dessus son bouclier. Voilà. Ici on a 42% de chance, on peut le faire, parfait. Là on va l'aggro. 61% de chance. Ok, parfait, on arrive à passer la riposte. Ah, dommage. Bah, Ingmar, tu vas te protéger. Parce que j'ai l'impression que les mecs sont un peu énervés là. Un petit coup sur sa tête avec ton ruban là. Non, putain la vache. Tank ces enfoirés, ils tank. On va t'enverser pour te mettre un peu en sécurité. Et après, on va tenter un coup raté. Ok, on a blessé sa main, il sera un peu moins efficace, c'est toujours ça de pris. Ici, on va là, on prend le petit point haut avant que ça devienne critique. Il s'enfuit pas, hein, il essaie de nous taper dessus. Ok, il va crever, c'est nickel. Alors toi, t'as réussi à tuer le chien, ça t'a monté ton moral, on va s'en occuper, t'inquiète pas. Hyper efficace ce mec, hein. Moi je trouve. On va passer à la dague pour s'en occuper. Lui aussi ce serait pas mal d'ailleurs. Bon, lui il va pisser le sang, on va essayer de le décapiter proprement. Voilà, parfait, bien joué Mitotine. Tu peux plus prendre ça, c'est pas grave. Alors ici, on va aller par là. Parce qu'il faut qu'on s'occupe de ces archers là. Ici l'Arl va nous prendre une petite dague, il a vraiment des très bonnes chances de toucher l'Arl, ça fait plaisir. On charge. Alors toi, tape donc sur ce monsieur. Ici c'est pareil, on prend la petite dague. On n'a plus assez de fatigue malheureusement. Ici une petite dague. Ça passe. Bah Ingmar, tu vas te reposer un peu. Mitotine, oui, j'avais fait un misclic, je voulais te faire passer le tour.
Alors ici, on va carrément avancer là, essayer de se faire celui-ci, parfait. Ici, un petit coup de dague, ça rate, un petit coup de dague, ça passe. Théo, t'as une dague? T'as une dague. Hop, voilà. Oh, j'aurais même pu te faire charger contre lui, mais il va s'enfuir, ouais, de toute façon. Donc pas de stress. Hop, les archers du coup, ils vont se poser deux secondes. Ici, on va essayer de récupérer son armure aussi. Il n'y a pas de raison. Donc là par contre, on va pas le coller, on va attendre que Ilek joue. Ingmar, il se repose un peu. Antoine, il n'a pas besoin de tirer. Toi, c'est pareil. Toi, tu prends une dague. Tu nous mets un petit coup. Toi... non, non, on poursuit, on poursuit. Hop là. Toi, tu fais rien. Toi, tu fais rien. Lui, il se tire. Toi, tu tentes. Un petit coup de dague. Un petit coup de dague, voilà, parfait. Ileg va pouvoir avancer et terminer le taf. Donc on a Ingar qui a pris un nez cassé à coup de masse, hein. Ça aurait pu être pire. Et du coup on récupère... Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait que c'était du skin à 90, c'est pas grave. Ça fera toujours du blé à vendre. Donc personne n'a pris de niveau, au niveau équipement, oui, on a quand même des trucs à 140 là. Ça c'est cool. La Harle. Tu vas nous prendre ce truc à 140. Et toi là, c'est du 105 que t'as. Tu vas prendre ce truc à 110 plutôt. Ça c'est du 105. Et ça c'est du 105, ok. Bon. Ça vient doucement. Il n'y a pas de souci. On a droppé, je crois, une nouvelle Arming Sword. Hein, ouais. On va réparer les Arming Sword, on en a beaucoup. On va en vendre quelques-uns, ça fera du blé. On a droppé un nouveau gros bouclier aussi, ce qui est plutôt cool. Allez, on continue notre petit chemin, tranquillement. Donc cette fois, c'est des Narcherers, ils sont plus que 9. On va pas les poursuivre, hein, parce qu'on a quand même pris quelques blessures. Faut qu'on laisse la vie se remonter... au risque sinon de se prendre un coup et de se faire one shot, ce serait dommage. Ah, beaucoup de paysans ici. Alors, il y a des villageois qui disparaissent, très très bien. Au niveau du reste, c'est un peu de la merde. On va quand même vendre ça. Ouais, mais après non, je crois que c'est quand ça disparaît, ils veulent pas faire de... Ouais, ils sont moins favorables aux étrangers, donc on va d'abord faire les quêtes. Alors... Donc on a Bodo, le steward, le serveur, je ne sais pas, qui a ses chiens qui ont essayé de chasser les ennemis, enfin les personnes disparues. Mais ils nous ont pas trouvés, du coup. Ok, 490 pour chasser des trucs, c'est pas mal. Et ici, lui, il veut une livraison pour Krakenwader. Alors, on va jeter un œil vite fait où c'est. Alors, c'est pas une ville qu'on apprécie visiblement. Ah mais non, mais c'est là où on est, mais bon, j'ai du mal lire. À Grönberg, Bruno of Grönberg, à Grönberg, ok d'accord. Okay. Très très bien, au nord, Grönberg, c'est là. Ouais, c'est pas si mal, ça pourrait nous rapprocher un peu de cette zone. On va d'abord faire la quête pour gérer les trucs qui terrorisent, et qui sont partis par là, visiblement. Donc il fait nuit, on va y aller doucement. Ah, ils ont fait demi-tour. Ils sont fusionnés avec d'autres grosses saloperies.
vache, il y a beaucoup de monstres en tout cas. Ok, c'est 11 Narcereurs. Alors on va juste attendre qu'il fasse plus nuit. On a même une caravane ici. De Sfarested. C'est où ça, Sfarested? Putain, c'est loin. C'est tout là-haut quoi. On entend dire qu'on pourrait l'attaquer, ça gênerait pas trop. Alors, il y a quoi de beau dedans? Quelques hands, quelques gardes et un kart. Il ouais, n'y aura pas un loot de fou non plus. Hein. On va quand même l'attaquer. C'est parti, on se fera les Natcheran après. Grimpe un peu toi. On voit rien. Ok, ils sont là. Ils avancent. Très très bien. Ah, tu tires pas suffisamment loin, dommage. On va avancer d'au moins une case, hein. Enfin d'au moins deux du coup. Ça c'est des gardes, il est où le... Oui non, ça c'est des hands et ça c'est des gardes, très bien. Je vois. Ici il faut qu'on prenne le point haut tout de suite. Voilà. Ici on va protéger nos amis archers. Hop là. Je vais te mettre plutôt par là, voilà. Alors au niveau des tirs, c'est pas ouf, donc on va avancer. 5% de chance, hein, c'est un peu pourrave. Ça sert à rien de faire un mur de pique, hein. Ils vont pas aller sur un mur de pique alors qu'ils sont de toute façon pas assez nombreux pour tenir la ligne. On va les laisser avancer. On va mettre une personne ici pour les tenter un peu. Alors c'est parti pour tirer sur ce sympathique monsieur sans bouclier qui a décidé d'avancer, j'ai envie de dire. On va les laisser venir un peu. Je pense qu'ils vont venir au centre là. Après c'est sûr qu'en avançant avec des murs de boucliers, ils avancent pas très vite du coup. Et bon voilà, là on va pouvoir se refermer sur eux assez sereinement. Hop, raté. Casser le bouclier de ce mec. Ici pareil, on avance. On casse son bouclier. Tire dans le tas. Hop là on court. Ici on va courir par là, comme ça on pourra taper sur ces deux là. Toi, tu avances ici et ce monsieur a le bon goût de ne pas avoir de casque. On va donc taper. Ok, ça passe, même si c'est pas ouf. Mitotine. Bah du coup toi malheureusement tu l'as un peu dans l'os, tu vas aller par là. S'il y a moyen que quelqu'un prenne le point haut là, non c'est bon, il a décidé d'aller là. Ils sont donc tous aggro, c'est nickel. Tente un tir. On va se débarrasser de ce con. Ici. Alors lui, faut qu'on passe par-dessus son bouclier, raté. Ici on va terminer celui-là, parfait, et on va essayer de passer par-dessus le bouclier de celui-là. Là on casse du bouclier, ça résiste. Vache. Ok, bon. Il restait pas grand chose. On a pu l'achever. Ici on va tenter, on tape dans son bouclier, ça continue de faire quelques petits dégâts. On
Ici j'aurais bien voulu me mettre là pour faire un split, mais je suis pas bien sûr que ce soit très utile. Bon, on va quand même le faire. Puis on se prendra un petit coup de lance. On survivra. Lui n'a pas tapé, zut raté. Ok, il s'enfuit, donc on se prendra rien finalement. Il n'a toujours pas tapé, donc on lui met du overhelm. Hein. Il a encore beaucoup de vie, donc ça sert à rien de lui tenter de le décapiter. Parfait, son bouclier est mort. Hop. Salut mec. Raté. On pisse le sang, on est bien. Parfait. On va essayer de se les finir, hein. Ça fera un petit peu d'XP. Non, on le termine, pas se faire chier. Ah, si on arrive à le toucher, bien sûr. Ah, ils sont chiants ces petits buissons là. Hein. Ok, c'est parti, c'est bon. Alors, du coup, je crois que j'ai oublié de quitter là. Non, je peux. Est-ce que je peux quitter en fait? Je me pose la question. Voilà, le ennemi. Là, ok. C'est bien ça, l'ennemi s'enfuit. J'ai pas envie de taper sur l'âne là. Ok, bon. Bon. On a récupéré quand même pas mal hein, en termes de loot. C'est cool. On va donc pouvoir aller se faire cela du coup. On va sauvegarder. Donc ça nous améliore pas notre réputation, hein, mais par contre notre renommée n'en souffre pas, donc on peut se le permettre. Alors, ok, on pourrait mettre une ligne de ce côté-là. Alors pour l'instant il n'y a que des petits, c'est cool. Est-ce qu'il y a au moins un ou deux gros? Ouais, un gros et un deuxième gros. Ok, très bien. Alors on va se battre là, on avance ici, hop. Ici on tente des tirs. Pas mal. Ah bon bah du coup il y en a un qui va grossir gratuitement. On va mettre notre ligne ici je pense, ou devant. Là et là. Là il y a un truc, on va attendre avec toi. Toi tu vas ici, tu fais un mur de pique. Toi tu vas ici et tu vas monter ton bouclier. Mitotine, tu vas tenir la ligne là avec ton bouclier. Du coup ici, je pourrais aller là directement, mais du coup, voilà, on va plutôt faire un truc comme ça. Toi tu vas ici, tu montes ton bouclier, ici on va tirer dans le tas, hop, raté. Toi tu pourrais descendre et faire un petit mur de pique. Ça leur donnerait un peu moins envie de venir. Hein, toi tu vas venir ici. Ouais, je pense que tu pourras pas taper là, mais c'est pas grave. Hein. Alors. Donc là il bouffe son pote, normal. On va se prendre quelques petits coups gratuits, mais normalement avec le mur de bouclier ça devrait aller. Ah, dommage ça. Très très dommage. Ils ont envie d'aller par là, forcément. Ok, ici on va attendre. Là, on va aller par là, occuper un peu l'espace. Ok, ça c'est pas mal. Euh,
Alors, c'est parti, tapons à la tête. Nickel. Si on avance, on va mettre des coups sur ce monsieur qui a décidé de grossir. Lui s'enfuit. Donc plutôt essayer de taper sur lui. Raté. Ici, on va rotater avec lui. Parce que, mine de rien, Aeon est toujours level 1. Donc on va essayer de le protéger un peu. On tire sur celui-là. Voilà, parfait. Son moral se casse la figure. Mais il ne meurt pas, hein, il résiste. On va voir si tu résisteras après un coup de fléau sur la tronche. Ici, je pense qu'il y en a un qui va avancer et bouffer le truc, mais ouais, voilà. On va courir par ici. Je crois qu'il y a moins qu'il y en ait un qui vienne au contact, mais... Ils veulent toujours aller par là-bas. Il bouffe son copain. On va donc lui mettre un petit coup. Voilà, au moins il saigne, même si son moral tient bien. Non, ici on peut toujours pas, c'est quand même chiant. Hein. Il veut vraiment pas taper quoi. Alors, si on pouvait réussir à se débarrasser de ces cons, ce serait cool. Faire de la place, voilà. Ensuite on va par là-bas. Ici, on va charger par là-bas pour protéger un peu... Toi. Petite décapitation des familles. Ah mais tu peux plus bouger. Dommage. Alors, à nous. 51%, 48%. Raté. Ah, on n'arrive pas à faire baisser son moral. Hein. Ouais, là c'est le problème. Oh, ça, il préfère taper sur lui quand même. Intéressant. C'est Brody là, hein, qui essaye de tanker, mais forcément il est un peu tout seul. Ah putain, je l'avais oublié lui. Ah merde, un Brody. Ah, il a tué Brody quoi. Fait chier, bon, faut qu'on ait des pertes de temps en temps quand même, hein, mais c'est toujours un peu triste. Ici on est au contact, on va donc devoir équiper une dague. Tenter un petit coup de dague. Il nous faut du renfort par là. Ici c'est vraiment merdique. Ah, je suis obligé de recharger donc j'ai plus beaucoup de points pour avancer. Alors ici. Ah, on est épuisé malheureusement. Ok, lui s'enfuit, c'est parfait. On va descendre. Ouais, allez, on va descendre. On est quand même plutôt bien. Bien niveau vie. On peut encaisser quelques coups. Aïe. Ok, ça va. Fenrir qui continue de résister vaillamment. Il va venger son maître. Ok, il a un bon coup d'épée, ça calme. Ici, coup de dague, coup de dague. Continue de contourner, toi. Ah, dommage. Ok, ici on peut taper sur sa tête et se rapprocher là. Alors ici par contre du coup, mes solutions de tir sont un peu à chier. Toi, tu vas aller par là. Ingmar. Toi par contre, tu vas aller par là. Étraté. Et ici, tu vas aller par là. Et te rater aussi. Voilà, marche sur son cadavre.
Ok, bon bah on a perdu Brody le dingue, je suis désolé, hein, mais bon, il y avait quand même 11 mecs en face, pas si facile. On récupère du coup quand même son équipement, enfin pas son armure qui s'est fait défoncer, mais... Ah, on a plus de place. Diantre. Il va falloir qu'on vire des trucs de merde, hein, parce qu'on va, on va pas laisser ça. On va virer quoi? Ça, en échange de ça, ça c'est de la merde en échange de ça. Et une arme pourrie en échange de ça, voilà, parfait. Ok. Bon, bah du coup, on a eu une perte, je suis bien désolé. Bon, il faut obliger aussi un peu de rotater, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont donné des noms, et bah, pour avoir des personnes, bah, il faut qu'il y ait quelques morts. Donc du coup, on va tout de suite regarder qu'est-ce qu'on peut recruter. On a des pêcheurs... Ah, on a un jongleur ici. Qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie? T'es optimiste et sensible au poison. On va le prendre, tiens, un jongleur. Alors par contre, faut qu'on vende du bordel. Hein. On va ranger un peu. Donc les fourrures, ça est à peu près rentable. Ça, c'est pas rentable. Ça non plus, ça c'est rentable. Donc le chien, on va pas le vendre. Ça, on va vendre. On a beaucoup trop de lances, on va les vendre. Les short swords, c'est de la merde. Les cleavers, pareil, on n'a pas besoin d'autant. Et Morgenstern, même combat. Ça on vend, ça et ça on vend. Alors les armures, ça c'est pourri. Tout ça c'est du 95, c'est bien mais c'est pas suffisant. Ça à 90 on les vend. Bon ça on va le vendre aussi, hein, il nous faut de la place. Est-ce qu'il n'y aurait pas un taxidermiste? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Il y a un taxidermiste, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Des antidotes, c'est pas mal. Un truc pour enlever de la peinture. Et ça c'est quoi? Ça c'est pour peindre un casque, ok. Alors l'Iron Wheel, on a vu que c'était vraiment merdique. Par contre, on peut faire un trophée là. On va le faire. Et tout le reste qu'on peut faire... non, c'est merdique. Alors, qui c'est qui va prendre le petit trophée? Bah, j'ai envie de dire que c'est lui, avec sa paranoïa. Petit trophée pour avoir plus 4 de résolution. Bon, c'est pas ouf, hein, mais c'est toujours ça de prix. Ah oui, ça c'était le nouveau qu'on vient de recruter. Qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie? De la fatigue et de la vie. Donc tu serais de nouveau un tank. On va finir par avoir beaucoup de tanks. Ici on a un niveau, ok. Un peu de vie, un peu de résolution, parfait. Et au niveau des perks, on va te donner Crippling Strike. Toi tu seras un DPS mon cher. Et toi tu vas prendre le chien. Au niveau équipement, tu vas prendre ça. Tu vas prendre ce truc là puisque tu aimes bien la hache. Et un bouclier. Aux couleurs de la compagnie. Alors niveau armure, donnez ça et ça. Donc, niveau fatigue du coup c'est un peu le drame hein, forcément vu qu'il est tout débutant mais c'est pas grave. Ça on va le réparer histoire de le vendre un peu mieux que zéro. Ah mais j'avais pas vu que j'avais une missie aspire, hein. Faut que je m'en débarrasse aussi. Hop, voilà. Ça c'est un hammer ça. Non c'est une masse, c'est pas pareil, ok. Un arc, on a dit qu'on n'en aurait plus besoin. Le tireur. Ça c'est pourri. Ça c'est pourri. Ça je le garde parce que c'est quand même 105. Hein. Alors Disarming Sword, on va en vendre 2. Faire un peu de place. La Crude Axe, ce serait pas meilleur que ce truc là d'ailleurs. 30-45, 30-40, on va regarder. 12 de chill damage, 12 de chill damage, 100% utile contre les armures, maximum fatigue moins 12. Ouais non, c'est plus pourri en fait. Alors à moins que ça fasse une compétence différente, on va vérifier. Non, c'est exactement pareil. Alors, l'idéal ce serait qu'on trouve des fighting axes hein, bien sûr, mais pour l'instant on va vendre ça. Autant ça c'est utile parce que ça détruit bien les boucliers et en même temps c'est un marteau.
Autant l'autre, pour le coup, bof. On va rendre quelques boucliers en parlant de ça. Là, on a un truc à 110. Je crois qu'il y en a qui ont des choses à 105 encore. Tiens, bats-toi. Il est où ? Il est là. Hop. Voilà, prenons que ça à 110. Bon, bah, ils sont pas trop mécontents qu'il y ait des gens qui se soient fait buter, ça va. Ils étaient tellement heureux que ça les a pas choqués plus que ça. Bon, on a vendu un peu, on a une quête pour aller faire un petit tour très loin. On a recruté une nouvelle recrue, on en recrutera peut-être une deuxième dans la foulée, on verra. Peut-être un petit pêcheur, on va regarder en speed qu'est-ce qu'il a de beau lui. Soux, et il a peur des bêtes, ok, et lui, il est quick et déterminé. Bon, on va recruter Dirk. Comme ça on va pouvoir avoir quelqu'un qu'on pourra mettre dans la réserve. Voilà, allez, on va tout de suite s'en occuper. Alors au niveau armure, on commence à être un peu en dèche. On va te filer ça, on va te filer un casque potable, on va te filer un bouclier bien sûr. Peut-être on va peut-être te mettre une lance toi. Ouais. T'as quoi? Un peu de défense, un peu de vie. Non, on va te laisser une hache. On va te laisser une hache. Ok, on va s'arrêter là de toute façon. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite. Et à très bientôt. Merci à toutes et à tous.